Salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de LSPDFR et je suis super excité de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous l'aurez vu au titre, nous sommes dans la brigade, dans l'unité canine, et vous le voyez avec moi, j'ai un petit retriever, Golden Retriever, voilà un magnifique petit chien qui sera à ma disposition. J'ai installé un petit véhicule pour l'occasion, donc pour l'unité, l'unité canine, voilà, donc qui vient de Blaine County, donc un véhicule de shérif. Donc là je suis aux abords de Los Santos, normalement j'ai pas grand chose à faire ici, donc nous on est potentiellement plutôt dans ce secteur, c'est ici Blaine County si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je me suis mis là pour commencer la vidéo. On va tout simplement patrouiller vers là-bas, mais en réalité notre secteur d'activité va être un petit peu partout. Le but du jeu, ça va tout simplement d'être là un petit peu avec le chien, pouvoir faire des fouilles pour potentiellement avoir des collectes de drogue, des trucs comme ça. Donc ça risque d'être assez sympa. On fera des poursuites dans cet épisode, et alors normalement je pense que il peut rentrer dans le véhicule. Je pense, hein, il a été fait pour celui-là, on va voir. Allez, rentre là-dedans. Donc ça va être bien sympa, il y a eu plein de mises à jour, etc. Donc c'est pour ça, d'ailleurs je peux vous montrer le taser qui a un laser rouge maintenant. Je sais pas si ça se voit bien sur YouTube. Notamment donc d'avoir un compagnon de l'unité canine, donc ça c'est super cool. Et je pense qu'on va bien s'amuser aujourd'hui pour cet épisode. Voilà, tout simplement. Donc on est parti, on va patrouiller tranquillement. J'allais dire en bas à droite, vous voyez le nombre de kilomètres heure, mais en fait pas du tout puisque j'ai ma caméra. Bon bah c'est pas grave, écoutez. Je changerai ça pour une prochaine fois, tout simplement. Donc voilà, on va pouvoir se permettre de faire des petits contrôles de véhicules, de faire des petites courses poursuites également. Donc c'est une petite Chevrolet plutôt stylée. Je mettrai en description le lien pour télécharger ce véhicule. Et petite parenthèse, avec toutes vos idées de véhicules que vous m'avez proposées, j'ai fait un break et j'ai supprimé le dossier mod de GTA 5 et j'ai tout recommencé à zéro. C'est-à-dire que le seul véhicule modé maintenant qu'il y a sur le jeu actuellement, c'est ce véhicule-là. Voilà, West Vinewood Manhunt, ça se passe où? Oh non, on va pas faire ça. En plus on l'a déjà fait, il me semble, je sais plus si on l'a déjà fait. Mais il me semble qu'on l'a fait récemment, donc on va pas le faire. Mais donc voilà, en fait il y avait tellement de véhicules buggés sur le jeu, notamment une Lamborghini qui changeait de couleur, etc. Enfin c'était infâme, donc j'ai tout changé. Donc il n'y a plus aucun véhicule modé pour le moment. Et au fur et à mesure que vous me proposerez des idées, je les installerai. Le seul problème aussi, c'est que j'ai essayé beaucoup de vos véhicules que vous m'avez proposés, mais pour la plupart ils sont pas ELS. Donc ça c'est un très grand problème. C'est que s'ils sont pas ELS, ben moi j'ai du mal à les faire tourner, et puis franchement c'est pas mal buggé, c'est très très chiant. Donc voilà, désolé si je prends pas toutes vos idées quand vous me proposez des idées de véhicules. Même s'il y en a que vous trouvez sympa, que vous vous dites que c'est simple à installer, peut-être que vous y arrivez plus facilement que moi. Moi j'ai quand même du mal, hein, je suis un novice dans les mods. Mais voilà, ne m'en voulez pas si des fois je mets pas vos véhicules que vous me proposez. Je prends vraiment à chaque fois les manières les plus simples d'installer les véhicules, je vais pas vous mentir. Voilà, et bien vous voyez ce petit véhicule devant nous là. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit contrôle? On est quand même aux États-Unis, on fait un peu ce qu'on veut. On fait un peu ce qu'on veut, il est où le chien? Il est derrière, hein, oh regardez, on voit sa tête. Oh, stylé. Ah, c'est un véhicule qui a été spécialement fait pour, donc forcément. Alors on va faire une fouille au fichier déjà, vérification de la plaque d'immatriculation. Hop, petit plate check. 85. Whisky. Golf Charlie 795 James Norman. Ok, il est pas recherché ou quoi? Il est pas recherché, tranquille. Bah écoutez, on va faire une petite contrôle de routine. Allez, c'est parti. On se met sur le côté. Est-ce qu'il va obtempérer? Normalement, il n'y a pas de raison qu'il obtempère pas.
puisqu'il a rien à se reprocher normalement. Voilà. Parfait. Eh ben on va y aller. C'est un petit contrôle de routine, nous on est là spécialisé dans la drogue, donc écoutez, autant faire les choses bien. Bonjour monsieur, comment ça va? C'est la police. Vous pouvez me donner vos papiers, tous vos papiers? Il a l'air nerveux et il transpire, ok. Ah écoutez, c'est pas anodin de se faire arrêter par la police quand même. James Norman, très bien, un petit paix de check. Donc le véhicule est bien à son nom, il est bien assuré, il n'a pas de problème. En fait tout est tranquille. Donc ce qu'on va faire monsieur, je vais vous demander de rester dans le... Non, je vais vous demander de sortir du véhicule. On va faire ça simple. Sortez du véhicule s'il vous plaît monsieur. Tranquillement. Voilà. Alors venez, on va juste se mettre sur le côté en toute sécurité par contre. Hein, tranquille, on va pas non plus faire des ennuis pour rien. Je pense que ça va bien se passer. Ouais, tu viens... Alors comment il s'appelle le chien? On va lui donner quoi comme nom? Je sais pas. J'aimerais bien qu'il sorte. Ok, donc là il est en train de sortir. On va l'appeler Coco. Allez Coco, viens Coco. Alors Coco il est intelligent, il sait ouvrir et fermer les portes. Hein. C'est un chien très intelligent. Et Coco, fouille-moi le véhicule là. Je sais pas où il est Coco. Ah il est là Coco, ça y est. Allez Coco. Donc vous allez voir, ça va être très intéressant s'il trouve quelque chose. Il va aboyer et s'asseoir pour nous signaler s'il sent quelque chose ou pas. Donc là il va faire le tour du véhicule, voir s'il va sentir quelque chose ou pas. C'est super stylé, c'est super intéressant. Je vais sortir ma traque. Mais en vrai je pense qu'il va rien trouver, le mec a l'air quand même plutôt clean. Parce que bien évidemment je n'ai pas le droit de fouiller le véhicule de moi-même sans aucune raison. Donc là le chien il a le droit de sentir. Et il n'a rien trouvé. Bon bah génial, je peux même pas vous montrer un exemple typique. Bon bah c'est très bien, monsieur... Monsieur, voilà, vous pouvez repartir tranquille. Allez, bonne journée à vous monsieur, c'est juste un contrôle de routine. Hein. Allez. Ah il a pas apprécié hein. Il a pas apprécié. Allez tu viens Coco, on rentre. Du coup voilà ce qu'on va pouvoir faire. Bon évidemment on va faire des courses poursuites les amis. Franchement c'est un truc que j'ai envie de faire depuis un petit moment hein. On a fait vraiment des épisodes de chill ces derniers temps. Donc là on va très clairement se faire des épisodes un peu plus poursuites. C'est pas un véhicule spécialement adapté à la poursuite, mais ça passe. C'est un véhicule qui est quand même plus ou moins puissant hein. Et avec notre petit chien, donc pour tout ce qui va être j'imagine trafic de drogue, ça pourrait être assez sympa. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Alors lui c'est pas... Ah sinon j'ai rien dit, autant pour moi. Hop, allez, on y va, tranquille. En tout cas, je suis quand même content d'être parti à zéro avec les véhicules, d'avoir remis les véhicules de base, de revoir les véhicules normaux, parce que j'en pouvais plus de voir des bugs et tout avec les Lamborghini, etc. Enfin, c'est d'un chien total. J'aurais pu me prendre un collègue avec moi en vrai, en plus du chien, j'aurais pu. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait, mais la prochaine fois, écoutez, on le fera. Bon après les épisodes spécial canins on n'en fera pas régulièrement non plus. Mais voilà si ça vous intéresse, si vous voulez en voir plus souvent. Par contre n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Et qu'est-ce qu'il nous fait le cas? Eh il nous fait quoi le moto là? La moto? Il roule super... Oh là il roule super bizarrement lui. Bon alors il n'y a pas besoin de chien pour fouiller la moto. Mais je pense qu'on va, avant qu'il se mette trop en danger, on va s'occuper de lui hein. Attends avant qu'il s'engage sur la route là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il roule trop bizarrement, il a consommé lui, c'est sûr. Ok. Pour le moment, il obtempère, je pense. Ok. Non, continue d'avancer. T'arrêtes pas ici, on va se mettre sur le côté, voilà. Par contre, il fait quoi là? Eh? Attends, je crois qu'il est bugué, il est bugué. Arrête-toi! On s'arrête! Monsieur veut pas s'arrêter. Si, monsieur fait des trucs bizarres. Monsieur ne sait pas ce qu'il doit faire ou quoi? Ah. Eh ben, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Ok. Bonjour, monsieur. C'est la police. Attends, je vais prendre mon taser, là, il est super bizarre. Bon, allez, monsieur. Descendez de votre moto, là. Ah ouais, monsieur, il est pas bien. Bon, venez, monsieur, on va se mettre sur le côté. Alors vous avez vu, j'ai des shérifs en backup derrière là qui sont en train de surveiller je crois. Ah ouais c'est marrant, ils sont en train de surveiller de loin. Bon monsieur, vos papiers d'identité s'il vous plaît. Mario. Eh ben écoute Mario, j'ai pas vu de Luigi dans le coin. Ok, licence suspendue, donc monsieur roule sans permis hein. Monsieur roule sans permis, vous avez consommé de l'alcool monsieur? Ouais, pas mal de bière, d'accord. Et vous avez consommé de la drogue récemment?
Je suis clean depuis un an. Ok, je vous crois. Bon, par contre, il a consommé de l'alcool et il joue pas au con avec moi. Il l'assume. Très bien. Vous vivez dans ce quartier? Vous vous y... Ok. Ouais. Est-ce que c'est votre véhicule? I borrow my mother's vehicle. C'est le véhicule de sa mère, en fait. D'accord. Eh ben, ça colle. Il vit avec sa mère ou sa grand-mère, je sais plus. Et c'est son véhicule. Alors, il a pas de plaque d'immatriculation, le véhicule, hein. Qu'on soit bien d'accord. Il a pas de plaque d'immatriculation. Et lui, il roule sans permis. Et il a bu de la bière. Alors, on va faire un petit test d'alcoolémie, monsieur, puisque vous venez d'assumer que vous avez consommé de l'alcool. Donc, hop, je vais vous demander de simplement de souffler là-dedans. Jusqu'au bip, jusqu'à ce que je vous dise stop, tout simplement. Allez-y, soufflez, 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 soufflez. Encore. Très bien, merci, monsieur. Ah, bah pas très bien. En fait, on va recommencer, monsieur, on va recommencer là. Faut souffler jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Allez, soufflez, soufflez encore. Allez-y, allez-y, allez-y. Il va pas y arriver. Il va pas y arriver, il arrive pas à souffler jusqu'au bout. Ah là là, il arrive pas. Bon, monsieur, on va devoir faire des... Vous voulez qu'on fasse des prises de sang, là? Ou vous allez coopérer? On refait une dernière tentative. Et si vous faites pas, on va vous emmener, vous allez faire des prises de sang à l'hôpital. Hein. C'est vous qui voyez, hein. Soit on perd du temps, soit on joue au con, c'est comme vous voulez. Allez-y. Ok, bon bah monsieur, allez, retournez-vous, les mains dans le dos, vous êtes placé en état d'arrestation, ça va partir à l'hôpital, vous allez faire des prises de sang, monsieur, là ça va pas. Ça va pas, là ça va partir à l'hôpital. N'importe quoi, lui. Allez, on va lui appeler une ambulance. Hop, ça va partir directement, on va pas s'en occuper, hein. Ça va partir directement à l'hôpital. Donc c'est comme ça que ça se passe, en tout cas en France. Je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis. En tout cas en France, si le mec n'est pas capable de souffler dans le dans l'éthylotest ou dans l'éthylomètre, je ne sais même plus trop ce qu'ils utilisent les gendarmes et policiers, mais s'il n'est pas capable simplement de souffler ou s'il refuse de se soumettre, eh ben il va partir à l'hôpital au plus vite possible pour faire des prises de sang. Voilà. Normalement, j'ai des collègues policiers. Ouais, c'est bon, j'ai un collègue policier avec les ambulanciers, donc ça, c'est parfait. Très bien. Vous allez prendre cher, monsieur. Allez. Ça va dégager, on va lui appeler. Bon, on va lui appeler un taux service, on va pas se casser la tête parce qu'il y a pas de plaque d'immatriculation, il y a rien. Bon, c'était peut-être pas la peine de l'emmener sur un brancard, hein. Je pense que là on a peut-être un peu abusé sur le processus. C'est peut-être un peu trop ça, si je puis me permettre. Mais enfin bon, hein, s'il veut jouer au con, on va jouer au con. Allez, nous on y va. La moto va se faire piquer. Est-ce que je fais un arrest report au mec? Attendez, est-ce que je l'ai? Mario, bah allez, on va faire un arrest report. Pour trafic, licence suspendue, tac 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 tac, driving under the influence. Bah c'est sûr, en vrai, c'est sûr. En vrai, on peut pas tout de suite le dire puisqu'il faut qu'il fasse sa prise de sang. Mais en réalité, on le sait très bien qu'il a conduit sous influence, sinon il aurait réussi à souffler. Et normalement, c'est tout, hein. Après, si le véhicule lui appartient pas, mais ça suffira déjà. Allez, submit charges, on verra ce qui lui arrivera à la fin de la vidéo, tout simplement. Voilà, très bien. Ça c'est fait, on l'a fait dans les règles de l'art. Hop, ça fait plaisir. Et on est reparti les amis, du coup on va continuer dans cette direction, c'est parfait, comme ça on arrive dans notre petit secteur d'activité. Donc c'est plutôt sympa. Et tant qu'on y est, ça ce qui est sympa, en vrai, on va faire le petit tour là, du petit camp là, des gens du voyage. Là on a un petit camp des gens du voyage, donc on va faire un petit tour. On n'est pas les bienvenus. Bon après, mon chien c'est pas non plus un berger allemand, hein, c'est un golden retriever, donc c'est un des chiens les plus mignons du monde en vrai. Donc c'est pas le chien qui va faire le plus peur, mais voilà. On est pas mal, on peut faire un petit peu le tour, voir ce qui se passe. Bon bah écoutez, ça a l'air d'être plutôt calme pour le coup. Et c'est marrant parce que quand j'avais fait le mode histoire à l'époque, ça paraissait beaucoup plus grand et en fait c'est petit. C'est méga petit en fait. Je redécouvre GTA les gars, vraiment je redécouvre GTA. Bon, on va demander les amis une intervention de course poursuite. Parce que sinon on va très vite se faire chier. Request call. Robbery in progress. Non c'est chiant. ANPR, ah bah tiens, bah voilà, un truc de drogue, c'est pas mal ça. Alors le seul problème, les gars, je rigole zéro, c'est que... Ah voilà. Non mais en fait, genre je vous jure, mon véhicule, il voulait plus s'allumer. Voilà. Donc on nous a signalé... Oh, murdering police officer. Oh, ah non mais là, c'est la SWAT qui doit faire ça, je suis pas censé faire cette intervention. Donc là, c'est un véhicule qui est recherché pour avoir tué un policier, hein. Voilà. Globalement, voilà, c'est un véhicule qui est en fuite. Et sa plaque d'immatriculation est connue des services de police. Donc pour avoir tué un policier. Alors là faudra qu'on appelle la SWAT. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Allez on y va, je roule dangereusement mais vous comprendrez de la situation. C'est totalement approprié. Il roule super vite visiblement. Je sais pas comment on va s'y prendre. Je sais pas comment on va s'y prendre. Parce que je fais pas partie de la SWAT, hein. Je suis pas non plus une élite ou quoi. Je suis juste un policier de l'unité canine, hein.
Mais c'est plus tout ce qui est drogue, etc. Là, on est quand même sur un gars qui a tué un de mes collègues, quand même. Et il roule super vite. Ok, je crois que je vois le véhicule. Alors, est-ce que c'est le pick-up ou est-ce que c'est le véhicule derrière? Je sais pas si c'est le pick-up. Parce que là, j'ai deux véhicules devant moi. Je pense que c'est le pick-up. Attendez. Est-ce que c'est celui-là? Je suis trop loin. Non, c'est le véhicule juste devant, en fait. C'est la primo? On va voir si c'est elle. Mitch Rains. Ok, c'est celle qui va à droite. Ok. C'est celle qui va à droite. Et elle nous a cramé, je pense. Forcément, elle a vu la police derrière. Elle se méfie. Pour le moment, on va faire genre, il se passe rien. Je sais pas comment on va faire, les gars. Je ne sais pas comment on va faire. Parce que là, du coup, je suis pas en poursuite ou quoi. Je peux pas appeler de collègue. Ok, il prend à gauche. Il va se mettre dans une impasse. C'est incroyable. Bon, allez, on va procéder à l'interpellation. Allez, on va faire attention. On va faire attention, j'ai très peur. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, mettez-vous sur le côté. Ne sortez pas du véhicule. Mettez-vous sur le côté. Ne sortez pas du véhicule avant que je vous le demande. Alors, normalement, il me semble que je peux appeler. Bougez pas. Felony stop. Parfait. Et là, ça va m'appeler des collègues. Je vais rester derrière mon véhicule parce qu'on sait pas ce qui pourrait se passer. Voilà, et là j'ai plein de collègues qui vont l'encercler normalement. Parfait. J'en ai un. Oh, stop! Ok, il a une arme. Jette ton arme! Rends-toi! Je crois qu'il va être mort là. Il va crever, il va crever. Alors? Est-ce qu'il va survivre? Oh, parfait, relève-toi! Il est en train d'agoniser, le mec. Attends, je vais récupérer l'arme. Allez là, fais pas ton cirque, relève-toi! Oh putain, il est mort. Bon bah voilà. En gros, vous avez vu, ça a fait tout un dispositif dans ce genre de crime. Du coup, ça fait venir plein de collègues pour le backup. Enfin, c'est super stylé. Bon bah malheureusement. Du coup, ce qu'on va faire directement... Tend to injure pet, c'est dire quoi ça? J'ai fait des mises à jour, donc il y a plein de nouveautés. Ça fait quoi? Treating injured pet. Ah bah c'est pour... Ah, ils ont juste changé le nom en fait. C'est pour le réanimer, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. Classique, classique, classique. Voilà, on a tout un dispositif, donc c'est bien sécurisé, c'est pas mal. Là derrière, c'est vraiment bloqué, c'est parfait. CPR is failed, ok. Je regarde, je découvre en tant qu'on y est parce qu'il y a plein de nouveautés, donc forcément. Forcément, voilà. Je vais appeler les coroners, vous inquiétez pas. On a quoi? Cherche de véhicule. Ouais, ok, là ça a pas changé. Hein. Ça a pas changé. Donc on va appeler directement les coroners. Et je vais évidemment fouiller le cadavre avant toute chose. Bon, du coup, mon chien il sert à rien parce que je vais pouvoir fouiller le véhicule comme ça, j'ai totalement le droit. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Il avait de la Marie-Jeanne, bon, c'est pas très. Allez, on va fouiller le véhicule, vite fait, bien fait. Ah merde, je suis en train de refouiller le cadavre, oh, c'est très chiant. Ok, les coroners sont là. Salut les gars! Ok, vas-y donc, j'aimerais juste fouiller le véhicule comme dit. Parfait. Ok. Bon, on va pas perdre plus de temps. Ici, on va appeler l'état au service. Et nous, on va se casser directement. On va laisser les collègues sur place gérer. Et on est reparti. Parce que mon pauvre chien, il en peut plus d'être dedans. Allez, nous, on s'arrache. Ça, c'est fait. Ah, c'est bien, on va passer par là puisqu'on a un véhicule tout terrain. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais venez, on va demander à une course poursuite là. Ce serait trop cool. Attendez, vous savez quoi? On va faire ça comme ça. Hop, LSPD, poursuite. Voilà. Poursuite d'un homme armé. Allez, on va faire. Ok, il va s'engager sur la route là. Ok, c'est parti. Let's go, let's go. Puis après, on fera une intervention de drogue. Allez, c'est parti. Enfin, ça se peut, il est impliqué dans un trafic de drogue aussi. Hein. On va voir. Ok, lui, il s'est viandé. Le collègue, il s'est viandé.
Alors les amis, vous m'aviez aussi suggéré de faire des patrouilles en hélicoptère. On fera ça très rapidement, on fera ça les amis. Peut-être même dans le prochain épisode. Parce qu'en parlant d'hélicoptère, je vais en appeler un. On va appeler un hélicoptère pour pas le perdre. Et là je crois qu'il a tourné à droite, c'est lui là. C'est lui là. Ah le bâtard, il a tourné à droite. Heureusement j'ai un tout terrain. Je vais enlever les sirènes. Je vais enlever les sirènes. Donc voilà, là j'ai appelé un hélicoptère et on fera ça je pense dans le prochain épisode. On se mettra en hélicoptère. Ok, il a l'arrêt. Par contre il est armé, n'oubliez pas. Arrêtez-vous. Oh, ils sont plusieurs. Arrêtez-vous. Ok, là on appelle le SWAT. Et plusieurs renforts. Parce que là ça va partir en cacahuète. Ok, c'est Norway, c'est Norway, direction est. Faites un blocage, faites un blocage, faites un blocage. Il prend ma gauche, il prend ma gauche. C'est Norway, direction nord. Il va peut-être reprendre l'autoroute, on y va. Oh, ils sont chauds de ouf. Oh, eh, je vais mettre mes hers. Vous savez quoi, je vais mettre mes hers. On va faire ça comme ça, regardez. Je vais leur passer devant. Je vais jeter mes hers par la fenêtre. Oh, j'ai réussi. Je suis un putain de monstre. Ok, super dangereux ce qui se passe. Sortez! Tous les mains en évidence! Sortez tous du véhicule, les mains en évidence! Tout le monde les mains en évidence! Sortez tous du véhicule! Pas de geste brusque! Couche-toi au sol! Sortez un par un du véhicule, les deux mains en évidence, pas de geste brusque! Couchez-vous tous au sol! Vous aussi, sortez du véhicule de derrière là! Couchez-vous au sol! Toi, couche-toi au sol! Qu'est-ce que t'attends? Couche-toi au sol! Ok, pour le moment, je vois pas d'armes. Restez tous au sol! Sors du véhicule, toi! Derrière aussi, tu sors du véhicule! L'un après l'autre, les deux mains en évidence, pas de geste brusque, et on se couche au sol directement! Ok. Bon, lui, c'est un idiot, hein. Lui, c'est un idiot. Tu vas te coucher au sol maintenant. Ok, tout le monde est à terre. Allez, on passe les menottes, les gars, là. Ok. Ça, c'était le conducteur, ici, là. Parfait. Putain, ils sont nombreux de ouf, hein. Ils sont nombreux de ouf. Bon, comme dit, c'est bien, on a tout un dispositif sur place. Alors là, je vais faire comment, là? Ah bah voilà. Très bien. J'ai encore l'hélicoptère hein, qui survole. Tant que tout le monde n'est pas menotté. Pour la sécurité de tous, bien évidemment. L'autre, il est couché derrière dans le pick-up. Allez. L'avant-dernier encore. Voilà. Et le dernier qui est dans le pick-up. On va y arriver. Hein. Je vais couper la sirène, vous inquiétez pas, les amis. Voilà, toi. Et voilà, l'hélicoptère, il peut partir. Impeccable. Alors, on va juste refaire la circulation. Je vais appeler du backup parce que je crois que les collègues vont partir. Ah bah parfait, ça c'est bien ça. Ok, j'ai encore des collègues sur place, c'est bon. Voilà, on va juste refaire un peu la circulation parce que c'est un peu le bordel. Voilà. Parfait. Bon. Monsieur, là, descendez du... Il est sérieux là, l'autre? Mais le collègue qui nous rentre dedans, mais t'es complètement con ou quoi? Bon allez tout le monde, en fait on va pas se casser la tête, il y a tellement de gens. En vrai il y a tellement de gens, on va juste pas se casser la tête. Ouais dans les mêmes. Et on va appeler plein de renforts là pour évacuer tout ça, il y en a beaucoup trop. On appelle directement les taux service et nous on va se barrer et on va faire une mission de drogue pour terminer cette vidéo correctement. Parce que là c'est vrai que c'est un peu l'anarchie quoi. C'est un peu l'anarchie. Allez, voilà Drug Runners, parfait, juste ici. Donc il y a de la drogue qui se fait transporter internationalement, hein, à l'international. Et ce serait a priori le véhicule juste là, le véhicule noir. Donc quand il va voir le véhicule de la police canine, il va avoir très très peur je pense. Allez, on s'en occupe. On va juste vérifier que c'est bien lui. Plate check. Allez, c'est parti. 24, hôtel, kilo. N c'est quoi? November, 175. Jacob Lynn, il a pas de flags, c'est bizarre ça. En tout cas c'est lui qui transporte de la drogue, c'est sûr. Allez, on s'arrête. Est-ce qu'il va coopérer? Oui, il va coopérer. C'est bon ça. Allez,
Je vais garder mon taser. J'ai très peu confiance. Ok, ça c'est évident. Mais là au moins mon chien va servir à quelque chose. Ok, donc refus d'obtempérer. Il prend la fuite. Je demande du backup sur place. On est au niveau de Sandy Shore. On tourne dans Sandy Shore. Sandy Shore. Près du lac, près du lac. Direction est. Ok, j'avais des collègues qui étaient ici. Très bien. Pas qu'ils me rentrent dedans. On va le perdre, on va le perdre, on va le perdre, on va le perdre là. On va pas appeler d'hélicoptère pour le moment, c'est débile. Ok, je le vois encore. Direction sud, Marina Drive, Marina Drive. Il continue dans le... Oh là là, par contre, il est passé, il fait des stunts, il fait des stunts. À côté du camp de hippie. Il vient de toper, il vient de toper, il vient de toper, il vient de toper. Sors du véhicule! Sors du véhicule! Tu sais pas conduire, les deux mains en évidence, bouge pas, couche-toi au sol, les deux mains en évidence. Couche-toi au sol tout de suite, couche-toi au sol. Impeccable. Et là, mon chien va rentrer en action. Et ça, ça va être stylé. Allez, vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Ah mince, il a dû jeter de la drogue sur le chemin, j'ai pas remarqué, j'ai pas vu. Bon, on va voir, on va voir. On va voir. J'ai juste coupé la sirène. Voilà. On va juste se mettre un peu sur le côté. Voilà. Allez, Coco, sors du véhicule. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui demander dès là de sentir là, le véhicule s'il sent pas quelque chose. Allez, viens, Coco. Coco, ne rentre pas dans le véhicule. Ne rentre pas dans... Ok, bon, allez, t'as raison. On va déjà commencer par lui faire une fouille au corps du monsieur, là. Allez, on va pas... Bah, vas-y, c'est mon collègue qui va faire. Coco, viens. J'ai besoin de toi, Coco, pour que tu fouilles ce véhicule-là. Pour que tu sentes ce véhicule. Pourquoi Coco il veut pas? Pourquoi ce chien est chiant en fait? Eh hey, frère, t'es complètement con ou quoi? Coco, viens. Il avait rien sur lui. Fouille ce putain de véhicule. Ah oh, bah c'est super bien fait finalement ce mode hein. Bah, je vais fouiller le véhicule moi-même hein. Je vais faire le chien, c'est pas grave hein. Voilà, il avait un shotgun en plus. Oh là là. Ok. Du coup, est-ce qu'on a trouvé des preuves de drogue? Je sais pas. J'en ai pas vu sur le chemin pour le coup. Donc c'est bon, hein, on va se contenter de ça. On va lui faire un... Bah ouais, mais du coup, il avait pas de drogue en fait. J'ai pas trouvé de drogue dans son véhicule ni sur lui. Eh non. Bon, il a une arme, hein, on peut l'arrêter, mais c'est pas un drogue. Enfin, en tout cas, ce drogue runner, il y avait pas de drogue là-dedans. Hein. Il y avait absolument pas de drogue. Bon, collègue, surveille-le, reste ici. Nous, on va juste faire un petit tour sur le trajet. Voir s'il a pas jeté de la drogue. Bon, et puis le chien, il est AFK. Hein. Coco, il a bugué. Hein. Hashtag Coco a cessé de fonctionner. Hein. Alors, on va juste faire attention, est-ce qu'il aurait pas jeté de la drogue? Eh ben voilà! Juste ici, alors. Et ben voilà. Ça c'est fait. Mais attendez. À mon avis c'est pas tout. À mon avis il a dû en jeter encore ailleurs. Si vous voulez mon avis. Donc il était passé par là. Mais là ça me dit rien, j'ai pas vu. Hein. Après ça se peut il a quand même jeté. Hein. Mais en vrai j'ai rien vu là. On vérifie quand même. Là. Non. Là, il y avait un collègue qui était venu par là. Et la poursuite, elle a commencé. On était là. Hein. Ouais. Non, il a rien jeté d'autre. Mais là, j'ai déjà des preuves et tout. Il avait de la drogue et tout. Un paquet de drogue. Donc, c'est déjà suffisant. Donc, on va revenir sur les lieux. En espérant qu'ils n'ont pas dispone. Hein. C'est dommage, les bugs comme ça. Parce que c'est super intéressant avec toutes les mises à jour. Vous avez vu. Des plugins, c'est super intéressant tout ce qu'on peut faire maintenant. Mais alors les bugs et tout, c'est pénible. Hein. C'est pénible, c'est pénible. Hop. J'ai entendu un chien, il m'a fait peur. Alors le collègue, il est en train de repartir. D'accord, le collègue, il repart. Donc toi, tu laisses le gars tout seul ici, quoi, normal. Bon, au moins, il s'est occupé de la voiture, c'est bien. Bon, du coup, comment on fait? Zéro. Voilà. Parfait, on va pouvoir voir, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc lui, qu'est-ce qu'il va encourir là, le monsieur? Donc j'ai trouvé une pièce d'évidence. Donc, Mario Colotti,
Ah, ils s'appellent Mario aussi. Ils s'appellent tous Mario. Dangerous driving, resisting arrest et very high scale drug dealing. Donc 21 ans de prison. Voilà. Cet homme a pris... Et j'ai oublié apparemment une pièce d'évidence. Donc apparemment, il a dû jeter à quelque part que je n'ai pas vu. Très bien. Donc ça, c'est fait. Et ce que je vous propose de faire, les amis, c'est de regarder... Non, c'est pas ici. C'est de regarder tout simplement sur notre petite tablette ce qui... les peines encourues par l'autre Mario, finalement. En fait, c'est pas le même Mario, je crois. C'est pas le même Mario. Donc lui, c'était pour avoir conduit sous influence et avec la licence suspendue, c'était le mec en moto. Donc lui, il a pas de prison, bien évidemment. Il était tout gentil. En plus, il a assumé. 523$ plus 960$. Licence révoquée aussi, le pauvre. Et licence suspendue, mais surtout licence révoquée, donc plus de licence. Mais sachant qu'il avait déjà pas de licence, alors là, je comprends pas. Bon. Non, la licence était suspendue, alors que là, on lui a vraiment enlevé tout court, quoi. D'accord, donc là, ouais, il peut plus rouler du tout, quoi. Bon, bah voilà. Bon, les amis. Un peu triste, un peu déçu, finalement, que le chien est bugué. Mais c'est pas grave, si vous revoulez des épisodes dans ce genre, en tout cas, des épisodes avec le chien... Eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me proposer des idées d'épisodes à faire. Je pense que dans le prochain, on fera un épisode en hélicoptère. Ça pourrait être assez sympa, je pense. Et puis voilà. En fait, le problème, c'est que j'ai plein d'idées, mais je sais jamais dans quelle heure de les faire. Et comme vous avez peut-être des idées aussi en priorité, ben, je suis un peu bloqué parce que, tu sais, j'aimerais bien faire des patrouilles sur la mer, faire des patrouilles ici, là. Enfin, j'ai plein d'idées et en même temps, bah, je suis pas un robot qui peut tout enchaîner et ce serait plus simple si je pouvais, bien évidemment. Mais du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.